consacré au rythme des marées. J'échappe à toute limite du temps. Je suis végétal né et rien de ce qui est humain ne m'est indifférent. Et la seule chose vers laquelle il m'est naturel de tendre est une danse avec les cinq éléments. Ensemble, nous entrons dans la vie avec la compagnie des astres. Puis nous dansons dans la ronde du réseau de l'instant. Alors, une petite histoire. Il était une fois une belle planète, toute bleue, pleine d'eau. Ce jour-là, un rayon de soleil est venu caresser la surface de l'eau et il y avait exactement la bonne température entre l'eau et le rayon de soleil pour faire apparaître le premier micro-organisme unicellulaire. Il s'est démultiplié à l'infini pour finir par créer un corps humain qui est composé de milliards et de milliards et de milliards et de milliards et de milliards de cellules, comme à l'origine. Donc en fait, quand on mange des algues, on dit à notre corps, « Hey, oh, le corps, souviens-toi de l'origine de la vie, tu te souviens quand tu étais micro-organisme unicellulaire ?» C'est pour ça que les algues sont si puissantes quand on en mange. Elles nous apportent toutes les substances de la mer, depuis l'origine. Et si je vais encore un petit peu plus loin, hein, histoire de débroussailler un peu nos esprits, je vais dire que on est en contact au-delà de l'océan que nous connaissons et que nous pouvons toucher. Lorsqu'on mange des algues, on est en contact avec l'océan cosmique. Voilà. Ça, c'était le petit moment de poésie. Ouais, bah super, ça fait une belle introduction. Merci. Alors, nous voilà devant une flaque. Ces flaques merveilleuses coincées entre les rochers qui nous offrent toutes ces merveilles de couleurs. C'est l'occasion de parler des différentes couleurs d'algues que l'on peut trouver. Donc on a les algues vertes, les algues rouges et les algues brunes, c'est celles qu'on a vues tout à l'heure, les haricots, les kombu. Et donc là, on a la grande chance de trouver cette algue rouge qui est encore rouge. Voilà, vous voyez, toute dentelée, ondulée. C'est pas une autochtone. Elle a probablement été amenée par des bateaux. Et on l'appelle la Gratelupia turuturu. D'accord. Alors, pour s'en souvenir, on peut dire chapeau pointu. Chapeau pointu. C'est facile. Et donc, c'est une algue qui est pleine de gélatine. Quand elle est rouge comme ça, on peut très bien la mettre dans un blender avec de la crème ou quelque chose comme ça. Elle va rendre votre crème rosée. Elle est très bonne à manger dans des pestos crus. Quand on la fait cuire, elle va donner toute sa gélatine, elle va remplacer la crème. Elle va faire une sauce complètement onctueuse. Par contre, pour vous qui regardez ces images, vous ne pourrez pas en manger si vous êtes loin de la mer parce qu'elle est inséchable. Elle rend toute sa gélatine, elle colle, elle finit par moisir. Donc c'est vraiment une algue qu'on cueille quand on la trouve sur notre chemin, un tout petit peu, pour les deux jours qui viennent. Voilà pour la Gratelupia turuturu. Après, dans les vertes, donc on a les laitues de mer. Les laitues sont des algues qui sont très fragiles, elles ont déjà été beaucoup partagées avec tous les animaux qui ont trouvé là leur festin. Il faut toujours vérifier qu'elle est bien accrochée au rocher quand on la ramasse. Donc avant de la couper, vérifiez qu'elle est bien accrochée. Parce qu'une algue qui n'est pas accrochée au rocher,
C'est comme si vous aviez laissé une salade 15 jours en plein soleil, coupée sur la terre. Au bout de 15 jours, vous ne la mangez pas. Voilà, bien, pour ça, les algues, c'est exactement la même chose. C'est fondamental. C'est fondamental. Ouais. On ne ramasse que des algues vivantes pour la consommation. Toutes les algues décrochées du rocher servent pour le compost. Mais absolument pas du tout pour manger. Il faut faire attention quand on les ramasse qu'il n'y ait pas d'interdiction de cueillette de coquillages par rapport à la toxicité. Voilà. À côté, il y a sa sœur jumelle en algue verte. Donc, qui est le cheveu de mer. Ici, il est très beau parce qu'il nous offre des guirlandes qui pendent. Ah ouais, elles se ressemblent un peu quand même. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, on a vraiment la laitue qui est sous forme d'une feuille. Oui. Et le cheveu qui est sous forme de filament. Ouais, d'accord. Donc, il y a vraiment une belle différence quand même entre les deux. Donc, ces deux coquines algues, ce sont celles qui posent beaucoup de problèmes au niveau de la pollution, particulièrement les cheveux de mer. Et en fait, leur problème, c'est qu'elles se décomposent une fois qu'elles sont décrochées du rocher. Elles dégagent des gaz qui sont toxiques. Mais elle est super bonne à manger. D'accord. Ouais. T'en veux un peu? Ah bah à fond, ouais. Voilà. L'apéritif. Donc peut-être que l'intelligence, au lieu de râler après, ça serait de les ramasser. Donc très facile à faire sécher. Très facile à mettre en pesto. D'accord. En plus, elles ont vraiment un petit goût, quoi. Et alors, dans les autres couleurs, là, on va avoir la sargasse. Alors, celle-là, c'est pareil, hein, c'est pas une autochtone. Elle nous vient de la mer des sargasses. Là, cette année, il fait très chaud. Elle est en train d'envahir toutes les flaques. Elle devient très grande. Elle prend beaucoup de place. Ça fait pas très longtemps qu'elle est sur les côtes. Moi, quand j'ai commencé à ramasser des algues, on ne la trouvait pas. D'accord. Et comme il n'y a pas d'algues toxiques, on peut toutes les goûter. En tout cas, sur nos côtes bretonnes, il n'y a pas d'algues toxiques. Voilà. Donc, la sargasse. Je dis tout le temps aux gens d'abord de la goûter. Après, je dis ce qu'il y a dedans. Ah oui, non. Excellent. Excellente. Quand on la ramasse, j'ai essayé de la faire sécher, ça n'a aucun intérêt parce que ce qui est intéressant sur cette algue, c'est toutes ces petites bulles craquantes. Oui. Une fois qu'elle a séché, il n'y a plus de petites bulles craquantes, donc c'est pas intéressant. Et puis, par instinct, parce que lorsqu'on est en présence d'un espace sauvage, on retrouve notre instinct. Je ne pouvais la manger que le jour où je la ramassais. D'accord. Dès le lendemain, je sentais qu'il y avait quelque chose, une odeur, un goût qui me laissait dans la bouche, qui ne me convenait pas, et je ne pouvais pas la manger. Et donc, depuis, je me suis renseignée, et donc, elle est toxique. Il y a du cyanure dedans. Donc, en en mangeant un petit bout, on ne va pas tomber raide mort. Ouf. Ouf. Je peux finir le film. Mais, elle est toxique. Mais comme toute chose toxique, elle pourrait aussi avoir ses bienfaits. Parce que le cyanure correspond aussi à une vitamine, la vitamine B17, qui est injectée dans certaines cliniques, particulièrement en Allemagne, pour soigner les cancers. Ah ben non. Donc, la grande intelligence serait peut-être qu'il y ait des chercheurs qui se penchent sur cette algue et qui voient dans quelle proportion il serait bon de la manger pour des gens qui sont atteints de tumeurs. Ouais. En complément, bien évidemment, d'autres thérapeutiques conventionnelles. D'accord. Qui pourraient parfaitement aider au retour à la santé. La sargasse. La sargasse. Voilà. Alors, là, sur un rocher, on découvre des embryons de vie. Des petits bébés. Ces embryons ne se mangent pas, on les laisse. Jusqu'à laisser apparaître
un haricot de mer. Vous voyez, là, on a encore un tout petit peu l'embryon. Et bon, il a donné sa force au haricot. Celui-là est court. Ils peuvent aller jusqu'à plus de 1 mètre de grandeur. Et pour la préservation du vivant, parce qu'ici nous sommes dans un espace sauvage et la préservation du vivant est vraiment très importante, il y a des règles qui ont été édictées pour permettre leur reproduction. Donc on a le droit de les ramasser quand ils atteignent 80 cm de haut. Haricots de mer ou spaghettis de mer. D'accord. Et là, on prend juste les extrémités ou... Alors, pour les couper, on les coupe toujours au ciseau. Oui. Donc, si on regarde les plus gros, on voit déjà qu'il y a des pustules dessus. Oui. Donc, ce sont les vésicules femelles et masculines qui vont permettre la reproduction. Donc, on les coupe assez haut, au-dessus de l'embryon, pour laisser un peu de pustules féminines et masculines pour qu'ils continuent leur reproduction. Et on peut prendre le reste des haricots. D'accord. En sachant que dans l'espace sauvage, on ne cueille que ce qui est nécessaire pour nous, jamais plus. Voilà, alors là, on est en présence d'une variété de kombu. Quand on a un petit peu de temps, c'est bien de les caresser, les algues, de leur dire bonjour. Parce que ce sont des êtres vivants. Et il est bon de les remercier pour ce qu'elles nous offrent. Surtout que les algues nous offrent des trésors de bienfaits avec tous leurs sels minéraux, leurs oligo-éléments, leurs vitamines. Elles vont tellement nourrir le cœur même de nos cellules, qu'il est bon vraiment de les remercier grandement. Donc quand on veut les ramasser, on coupe avec un ciseau au-dessus de ce qu'on appelle le stipe, que vous ne pourrez pas complètement voir parce que là il est sous l'eau. Et donc on se retrouve avec une grande laminaire. Celle-là est gaufrée. Elle est très douce, elle est presque sucrée quand on la mange. Elle peut se manger crue ou cuite. Quand on veut la conserver pour quelques temps, pour faire quelques réserves pour l'hiver, parce que c'est surtout l'hiver qu'il est bon de manger des algues pour reminéraliser le corps quand on arrive fin décembre, début janvier, jusqu'à fin janvier, quand on commence à être fatigué. Alors elle est très, très pratique parce qu'il suffit de prendre une pince à linge, de la mettre sur un fil à linge et d'attendre qu'elle s'égoutte et qu'elle sèche tranquillement. Quand on la ramasse, on enlève les bouts abîmés, on les laisse à la mer. Ou si on a un compost, on peut faire ça à la maison. Parce qu'il y a toujours suffisamment de petites bébêtes qui vont venir s'en nourrir. Celle-là est très agréable. Et quand on vient en toute fin de saison, au mois de fin octobre, début novembre, à ce moment-là, on peut encore en ramasser. Là, elles vont être très dures, elles vont être costauds, elles sont trop dures sur la dent, trop longues à faire cuire. Donc on ne les mange pas, mais de toute façon, ce sont des algues qui vont être arrachées par les tempêtes de l'hiver. Donc au printemps, on ne retrouve plus rien. Et à ce moment-là, vous pouvez en prendre quelques laminaires et vous rentrez chez vous et vous faites la thalasso à la maison. D'accord. Dans la baignoire ou le bain de pied. Ouais. Ce qui fait que là, on peut absorber tous les nutriments des algues directement par la peau sans passer par le système digestif. D'accord. Ouais. Ça passera pas, ça ira tout le monde. Alors que là, l'algue, elle va d'abord commencer à détoxifier. Donc, c'est là où il faut devenir détective de soi-même quand on commence à manger des algues, parce que ça peut donner à avoir envie d'aller aux toilettes toute la nuit. Hein. Ça fait vraiment la purge. Quoi. Ça va tout attraper, tout ce qui est dans les étincelles, ça va tout faire descendre. Donc il faut y aller tout doucement. Et puis c'est pareil, si on est déminéralisé, reminéraliser trop vite le corps,
il va pas comprendre ce qui lui arrive. Donc c'est vraiment, on arrive vraiment sur quelque chose de très doux qu'il va falloir faire au fur et à mesure, tout doucement, les apprivoiser. Et la façon la plus simple de les apprivoiser, c'est regarder celle que vous avez aimée au niveau de la couleur, celle que vous allez aimer au niveau du toucher, celle que vous allez aimer au niveau du goût, c'est celle qui vous aime. Parce que les algues sont très très riches en protéines. Donc, étant riche en protéines, quand on mange des algues, on peut supprimer toutes les protéines animales, que ce soit les œufs, le fromage, la viande, le poisson, les charcuteries, on peut tout enlever, on a notre dose de protéines. 3 grammes de nourrice suffisent pour avoir tous les nutriments dont on a besoin. Énormément de protéines dedans. Oui, c'est-à-dire qu'avec... Mais décomposé, il faut juste mâcher. Hein. Ah, il faut mâcher. Il faut vraiment mâcher. Mmh. Donc, celle-là, c'est celle que les Japonais utilisent pour les sushis, les makis. Ouais. J'ai essayé. Ouais. J'ai dit, comment est-ce qu'ils font leurs plaques? J'ai pris des lamelles de nourrice, je les ai mises dans un sens, je les ai mises dans l'autre. J'ai passé toute une soirée à faire ça. Et ça a séché, c'était plein de trous. Plein de trous? Je pense qu'ils font une espèce de pâte. Ils la réduisent en pâte. Et après, ils la mettent sous presse pour la sécher. Mmh. Donc celle-là, c'est celle que les Japonais disent qu'elle est anti-cancer. Et c'est pareil, hein, c'est toujours pareil, c'est sur des générations et des générations. Oui. Et c'est parce qu'elle nourrit les cellules qu'elle est anti-cancer. Oui. Donc, non. Alors ça va être la surprise, c'est-à-dire que les algues n'ont pas vraiment de goût. Elles vont avoir le goût de la préparation que vous allez faire et de comment vous allez cuisiner. Je trouve que les algues, au contraire, sont assez fortes. Il y en a qui sont assez... Oui. C'est pas si vous, après, à la maison, bah, tu les coupes, tu es obligé de les faire en bord de mer. Oui. Ah, on prend carrément les morceaux. Ben ouais. Comme ça, ce qui ne servira pas pour la cuisine, des petits bouts, et ben, ça servira pour la tisane, ou ça servira à garder sec pour mettre dans un courbouillon, quelque chose comme ça, ou pour se faire un bain. Alors voilà, pour la deuxième partie... On est où exactement alors où? On est quelque part en Bretagne, dans un endroit hors espace-temps. Super. Il n'est même pas sur mon GPS. Il n'est pas sur le GPS et donc on va juste se poser ici quelques instants à l'ombre parce qu'il a fait tellement chaud aujourd'hui. Et donc on va préparer les algues qu'on a ramassées ce matin. Et il n'y a pas de recette prédéfinie pour l'instant. C'est-à-dire que pour la majorité des algues, ont le goût des préparations qu'on aime. Donc je vais vous proposer différentes choses et on va décider ensemble de ce qu'on fait. Donc moi, je mange de plus en plus cru et je suis toujours dans l'expérimentation de nouvelles choses. Donc j'avais envie de vous proposer pour le dessert, mais pour le dessert de notre repas de midi, hein, pas pour le dessert à emporter, parce qu'on fera un dessert à emporter aussi, de faire un smoothie, donc avec du lait d'avoine, de la banane, des dattes, et la turuturu, la gratteloupia turuturu qu'on a ramassée. Et je rajouterai bien un peu de la grande laminaire qu'on a trouvée là, le kombu, que j'ai ramassé hier et que j'ai fait cuire dans du citron. Ce qui fait que ça donnera un petit goût acidulé. Et ça va épaissir le smoothie. Donc on préparera aussi un pesto, ça c'est incontournable. Donc je vais vous mettre tous les ingrédients sur la table. Et chacun va faire le sien, comme ça on aura 5 choses différentes à goûter. Parce que j'aime bien qu'on goûte des choses différentes, parce qu'on va se rendre compte qu'avec les goûts des uns et des autres, tout va avoir des goûts différents. Et puis après, bah, j'aimerais bien qu'on fasse une tarte, parce que la tarte ça va être facile à emporter, et puis je trouve que quand il fait chaud, comme ça on fait une tarte. Tout ça. Et puis après, on fera cuire des algues qui sont cuites, les haricots et les kombus. Et on préparera au choix ou des légumes ou une préparation secrète que je suis en train d'essayer, que j'adore, qui sera tellement rapide à faire qu'on terminera la journée plus tôt. Et si vous avez envie, je vous fais aussi une tisane de bohémond. Voilà, pour goûter la tisane de bohémond. Et donc après, on fera des flans au pioca pour ramener à la maison. Non, en fait, non. Et puis après, je vais vous faire goûter différentes petites choses que moi, je suis en train d'essayer. Ça
espèces de crackers, des chips d'algues, des choses comme ça. Ouais. Voilà. Alors c'est très bon. Après, ça demandera de l'intendance pour le ramener à la maison, c'est parce qu'il faut déshydrater. Mais la déshydratation au soleil se fait très très bien. Moi, je déshydrate tout au soleil. Je voulais vraiment essayer de déshydrater sans déshydrater. Et ça marche. Ça prend juste un peu plus de temps, mais ça marche. C'est parti. C'est parti. Quel programme. On se réjouit. Alors voilà, on est parti pour la recette d'un smoothie déjà. On va lui mettre un peu de celle-là. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait tout à l'heure? Le haricot, il est derrière, là. Il sort. Donc ça, on va en garder pour faire les crackers, là. On va mettre un peu plus de turcure. Je vais essayer. Et qu'est-ce que vous aimez bien après? Un peu de cannelle? De l'anis vert? Ah, cannelle, c'est pas mal, hein? Cannelle, ça va pour tout le monde? Oui, oui. Ouais. Ça marche, le cannelle? Et le liquide blanc, c'est du lait d'amande, alors? C'est du lait d'amande. D'accord. Wow. Banane, lait d'amande, algues, haricots. Des dattes. On prépare les cuillères pour tester. Dosage est bon. Non, bah vous allez voir, moi je le ferai bien un peu plus épais. Plus épais en mettant plus d'algues alors. En mettant plus d'algues, peut-être éventuellement rajouter un peu de banane. Allez-y. Celui-là c'est pour moi, il n'y a rien dedans. Merci. Merci monsieur. On peut manger des algues finalement, la manière. La manière dont on aime. Et là, je trouve qu'avec un smoothie, là, quand une fois qu'elle a été dans le... C'est super bon. Dans le citron. Et moi, il faut que je note parce que je vais tout oublier. Surprenant. Mmh. C'est chouette. Surprenant comme goût, oui. Mmh. Hein, on a une espèce d'arrière-goût un tout petit peu citronné, acidulé. Moi, je goûterais bien avec un peu plus pour voir. Un peu plus d'algues. Ok. Ouais. Là, moi, je trouve... On perd tous les autres goûts, mais du coup, ce qui pouvait être un peu... Il y a un peu de gingembre, oui. Un peu gênant. Donc, j'ai pas mis beaucoup. Ah ouais. Hein, ça améliore, hein. Ça améliore quand même. Ouais. Ah oui. Ah, le verre du filmeur. Ouais, il fallait un truc costaud comme ça pour... Ah bah alors, tiens. Ouais, ouais, ça va. Hein. Ouais. Donc, à l'unanimité. C'est fort, hein. J'ai un genre, mais j'en sors. Oui. Il domine. La pêche, en fait, j'ai préparé en fonction de ce qu'on avait comme choix. Sur la pêche. Donc, ça, je vais commencer. Alors là, on a la chance d'avoir un sixième participant à cet atelier découverte. Hein. Super libellule. Voilà. Alors après le smoothie, maintenant nous allons faire, le haricot de mer et sa petite sauce. Eh bien super. En plein boulot. Ça, non. Voilà. Ça avance pas très vite d'ailleurs, mais bon, il essaye, il fait de son mieux. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est le rythme suisse. C'est ça. C'est l'important, c'est que ce soit bon. On n'est pas pressé par le temps. Il n'y a pas le feu au lac. Alors, cheveux de mer. D'abord, on essaie d'enlever les petites. On regarde s'il y a des petites choses à l'intérieur. Petits coquillages, des petits. Et voilà. Après, on le coupe finement. Voilà.
Cheveux de mer. On va en faire quoi déjà? On prépare pour les pestos, on va en mettre un peu dans la porte. Ah oui, oui. Ça, c'est mon bureau et vous êtes en classe. Je vais vous apprendre. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut faire sécher la nourriture. On peut faire la même chose avec la laitue. On peut faire la même chose avec les cheveux de mer. D'accord. Donc on fait ça au soleil pour avoir chaud dans le dos. Elle est bien cette table. C'est bien. Elle a été fabriquée. Elle a été fabriquée. J'imagine. Voilà. Donc nous on va trouver un bricoleur de service. Un bricoleur de service qui va vous la faire. Et puis après on se met à deux. Il y en a un qui la prend derrière à l'autre bout. Et on va mettre ça à l'ombre parce que je ne trouve pas très sèche. Ah bon? Donc séchage à l'ombre, important. Ah bon? Curieux, ça va. Ah bon? Ouais, apparemment, ça serait trop fort. Alors. Séchage à l'ombre? Oui. Pour la nourrie, la laitue, le cheveu de mer. Bonjour, grand frère Thierry. Nous en sommes au pesto. Donc, alors. Un liant. Ah, on a l'habitude de lier avec la moutarde. Mince, il y a des pénuries de moutarde. Comment on fait? Vous avez trouvé une solution? Non. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est les crèmes d'oléagineux. Donc, crème d'amande, crème de thym, crème de courge, crème de cacahuète ou crème de noisette. Ouais, dis donc, ouais, c'est l'abondance, là. On met de l'huile. Donc, il y a de l'huile d'olive, du colza, du tournesol, de la pistache et un acide, vinaigre de cidre, vinaigre balsamique ou du citron. Et après, on augmente le goût. Donner du goût. Donc, ail, échalote, oignon, gingembre ou curcuma, en fonction de ce que vous aimez. Et chacun sa sauce. Super. Chacun son mélange. Alors, la sauce, on la fait dans le Tupperware qu'on a. Voilà, vous la faites dans votre petite boîte. Après, on va mélanger, on va goûter et puis on va... corriger, et puis après, quand vous serez content de ce que vous avez fait, on va chacun goûter ce qu'ont fait les copains. Très bien. Et si ça se trouve, c'est moi qui vais gagner de nouveau le second concours. Oui, mais t'as pas emporté ton mixeur pour nous faire ton pâté végétal, alors. Oh, on va demander à être remboursé. Bon, ben... Ah ben, Jean-François, je vois que tu es très motivé. Oui, je vais commencer. Je vais prendre un peu d'huile. Jean-François, tu vas prendre de l'huile d'olive? Et donc, non. Vous pourrez ça d'abord. Je vais prendre de l'huile de thym. Non, on fait la sauce dans le fond d'abord. D'accord. Je vais essayer ça. D'accord. Hein, comme ça. Voilà, alors là, Sylvie, haricots de mer. C'est les préparations des crackers qui vont sécher. Qui vont sécher. Voilà. Au soleil, parce qu'il fait tellement beau en Bretagne en ce moment. Voilà, ils séchent au soleil. Donc, on les... ça peut prendre un certain temps. Plusieurs jours. Non, c'est pas comme avec un déshydratateur. Tu es obligé de protéger des insectes. Bon, ils viennent pas dessus. Ah bon? Ah, c'est incroyable. Ils viennent absolument pas dessus. Pas une seule fois, j'ai vu un insecte dessus. Oui. Et alors? Alors là, Sylvie, si j'ai bien tout compris, c'est le moment de la tarte. C'est le moment de la tarte. Que je préfère endiabler le monde. Ah, voilà. Ah, c'est chaud, pousse-toi. Ça, alors là, ça demande d'être filmé, là, hein, ça. Bon. C'est vraiment... Il y en a qui travaillent vraiment, là. Il y a des élèves très sérieux, quand même. Ouais, il y en a qui n'ont pas comme moi, peut-être. Bon. Oh, Seigneur, alors là, j'ai... Oui, je devais donner mon avis par rapport à... tarte, donc. Donc Jean-François, tu filmes. C'est quand même un moment très important. Lasagne végétale. Alors, si je devais mettre une note sur 20, je mettrais 20 sur 20. C'est délicieux. Ouais. Ouais, délicieux. Ah non, c'est bon, alors. Non.
je vous convie à, bon, à faire de même. Alors tout va bien. C'est vrai que c'est bon, ça. C'est bon, hein. Oui. Ouais. Alors toi qui en manges tout le temps, qu'est-ce que tu en as? Elle est très bonne. Vous avez été un vraiment très bon groupe, parce que la tarte collective est le fruit de l'énergie commune que nous avons mis ensemble pour la faire, sans recette. Et c'était vraiment un très bon groupe, et ça se sent au goût de la tarte. Mmh. Ouais, bah, super. Je suis d'accord. Pas mal, hein. Mmh. Ouais.